On a aussi le travail d'un Joseph Beuys, qui au début est vraiment rattaché à Fluxus, qui après va s'en distancier dans cette performance assez incroyable qui s'appelle « I like America and America likes me » en 1974, où Joseph Beuys, qui habite à l'époque à Düsseldorf, demande à sa galerie à New York d'organiser un happening qui procède comme suivant. Une ambulance vient le chercher à son domicile. Il est mis sur une civière. On apporte Joseph Beuys à l'aéroport de Düsseldorf. Il est mis dans un avion, il part à New York. Une ambulance l'attend là-bas, donc il ne met à aucun moment les pieds sur le sol américain. Et ça, c'est assez étonnant. Et, il est transporté dans une galerie où pendant 3 jours, pendant vraiment 24 heures sur 24, il vit avec un coyote sauvage. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord l'époque de la guerre du Vietnam, et donc les artistes veulent vraiment s'engager pour ça. Et aussi, pour dire, voilà ce qu'on fait aux Amérindiens dans ce pays, et c'est inacceptable. Et je trouve que cette question de l'engagement politique importante et peut-être d'autant plus intéressante à rencontrer aujourd'hui dans le cadre.